Alors, pour ma part, je vais vous expliquer le contexte de ma thèse par une situation très simple. Imaginez-vous dans votre voiture, vous partez en week-end ou en vacances, et subitement, elle crie famine. La jauge à essence s'illumine comme un sapin de Noël, obligé de faire un détour par la pompe à essence ou à diesel, pour les moins soucieux de l'écologie, vous faites un plein et directement 50 euros qui partent en fumée pour les vacances. Alors là, derrière ce chiffre, il faut savoir, et ça les pubs des concessionnaires ne vous le disent pas, c'est qu'il y a environ une vingtaine d'euros qui sont directement subtilisés par les frottements dans vos moteurs. Pire encore, une grosse partie de cette somme est littéralement, est littéralement volatilisée par seulement 6 pièces de votre moteur. Alors quelles sont-elles alors à la base votre moteur fonctionne par une explosion qui déplace ce qu'on appelle un piston. Ce piston monte et descend dans un carter cylindre, entraîne d'autres pièces telles qu'une bielle et un vilebrequin, et grâce à David Copperfield, la voiture avance. Alors pour ceux qui suivent, il n'y a là que quatre pièces. Les deux qui manquent sont celles sur lesquelles je travaille. Alors la première, le segment, est une espèce de petite pièce que l'on vient placer autour du piston. Alors on l'enfile autour du piston un petit peu comme une bague au doigt des mariés. L'autre, la chemise, est une pièce que l'on vient insérer dans le carter cylindre autour de l'ensemble segment piston et l'ensemble fait que les frottements du segment sur la chemise fonctionne bien. Oui mais ça, fon ça fonctionne bien pourquoi Parce qu'en fait, on fait appel à la magie des matériaux dans la conception de la chemise. En fait, la chemise est grossièrement un gros tube fait dans un super matériau durant qui glisse bien, Qu'utilisent certaines personnes un peu plus carrées que moi dans les salles de musculation, vous l'aurez compris, la fonte. Alors, le problème de la fonte, c'est qu'à l'heure où on veut que les moteurs soient de plus en plus légers, mettre un gros tube, une grosse canalisation en fonte, dans un moteur en aluminium, je vous laisse imaginer le cauchemar pour les ingénieurs, de plus en plus poursuivis par des normes écologiques strictes, et du marketing qui veulent des voitures de moins en moins gourmandes. Alors, la réponse des industriels a été de faire appel à de super machines qui sont plus ou moins bien maîtrisées à l'heure actuelle, dans lesquelles ils viennent placer un carter cylindre nu. Ils appuient savamment sur quelques boutons bien placés et le carter cylindre ressort revêtu d'une un, fine couche de matériaux à peine visible à l'œil nu qui vient remplacer la chemise. Euh, et donc, et donc, et donc, et donc j'ai pas du fil. En fait, il faut voir cette machine un petit peu comme votre femme qui va chez Zara en période de soldes. Elle ressort, alors pas nue mais presque, et alors elle, re elle rentre presque nue, elle ressort complètement habillée avec des tas de choses et votre portefeuille a pris un coup. Alors là, le but de ma thèse ici, c'est de prendre deux de ces machines, de défaire un petit peu ces boîtes noires, de comprendre un petit peu ce qui se cache derrière les boutons et de pouvoir dire aux industriels si vous faites ça, ça ne marche pas.